What's up, Jonathan? J'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur Skill PVP. Et comme vous le savez, vous avez sûrement déjà regardé ma dernière vidéo. À chaque fois qu'on fait des vidéos sur Skill PVP, on obtient des points de parrainage. Enfin, des trucs comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle exactement. Mais en gros, ça m'a donné 6 points. Et j'ai pu acheter, avec mes 6 points de parrainage, j'ai pu acheter 5 skill clés. Donc, je vais aller au shop. Je crois que ça c'est. Je sais pas exactement c'est où. Mais je crois que c'est au spawn. On va essayer de trouver. Et on va les ouvrir ensemble, les amis. Et ensuite, je vais vous présenter un peu vite fait la base et je vais aussi commencer mon champ de Netherwar. Donc je crois que si je me trompe pas, ça doit être, non là c'est les shops, donc ça doit être l'opposé, ça doit être là bas halls, ouais ça doit être dans les halls je crois. Je suis pas 100% faction. Your faction has been unset since it's no longer in your territory. Ok, the fuck, bizarre. Bon, let's go ouvrir ça les amis. Oh my god, j'espère tellement avoir de la chat. Oui. Pourquoi il me parle? FCP. Il a été un claim. Qu'est-ce qui est un claim? Une base? Ah. Un œuf de creeper. C'est un peu de la merde. 3 œufs de creeper, c'est un peu de la merde. Ah. Ok, j'ai juste eu des œufs de creeper ou quoi? 8 rimes de mort. 4 pièces de spawner. Les 4 pièces de spawner, c'est quand même bon en fait. Attends. Ça dépend. Attends, on peut vendre les pièces de spawner, je crois. Je vais regarder vite fait. 2000, là, il y en a une à 2000 comparé. Ok, je vais les mettre à 1000 chacune. Donc, on va faire 1000 pour une à chaque fois. On va faire ça. Comme ça, ça va nous faire un peu d'argent. Et puis, avec cet argent-là, de toute façon, c'est des pièces, comme j'ai dit, je l'ai eu gratuitement. Donc, je l'ai eu avec les vidéos que vous avez regardées, quoi. Donc, voilà. Les œufs de creeper, je suis un peu déçu parce que, bon, quand même, ça c'était vraiment de la merde. Sinon, on a 4 rênes de mort. Si on est capable d'avoir dans les 4 rênes de mort une métée, ça sera rentable. Sinon, ben, les 5 clés n'auront pas été rentables. J'aurais peut-être dû les vendre à l'HDV et me faire plus d'argent. Mais bon, hein, qu'est-ce que. Comment je pouvais le savoir? Je pouvais pas le savoir. Je crois que j'ai eu une pépite de mété. Donc ça, franchement, ça, ça peut le faire. Ça, si je vais aller voir vite fait. Mais je crois que j'ai eu une pépite de mété. Non, pas de pépite de mété. Je crois pas. Je vais regarder quand même peut-être qu'elle aurait tombé. Mais ça me surprendrait. On a une pépite en Tita. 3 pépites en Tita. Donc non, c'est pas été rentable, les amis. Mais c'est pas grave. Donc, je voulais vous présenter la base vite fait. Parce que elle est vraiment différente des autres bases que je fais d'habitude. Parce que j'ai vraiment passé énormément de temps. Normalement, je laisse tout le temps les autres faire la base. Mais ce coup-ci, j'ai fait un live où ce que j'ai construit la base. Malheureusement, il est pas disponible. Vu que, tu sais, je veux pas montrer la façon que j'ai fait ma base. Il est disponible seulement pour les 150-200 personnes qui ont vu mon live en direct, quoi. Vous savez comment un peu la base elle est faite, mais en soi, elle est pas terminée. C'est juste des grosses protections quand même qu'il y a, et puis aussi d'autres trucs que j'ai fait. Là, je crois qu'il va y avoir un redémarrage bientôt, donc je vais essayer de me dépêcher. Mais en gros, j'ai fait un endroit pour un peu sécuritaire pour les coffres, et j'ai aussi fait un endroit où que là, on va faire juste des farms, etc. Les protections autour de la base, c'est quand même correct. T'sais, pour un début, c'est correct. Faudra en rajouter, bien sûr, vu que c'est que le début. Mais sinon, regardez, ici, on va faire un champ de je sais pas quoi. Et sinon, pour aller à l'autre endroit, qui est quand même vachement plus bas, c'est BP. Donc, le BP, j'ai pas terminé. Hein. J'ai juste mis 2 coffres pour l'instant, mais on va en mettre plus. C'est juste que pour l'instant, j'ai rien vraiment de besoin. Comme vous pouvez voir, il y a des 4 coins, il y a ce coffre-là qui a un peu de merde dedans, mais sinon, en soi, on n'a rien vraiment de besoin, donc là-dedans, il y aura des trucs peut-être importants plus tard, mais pour l'instant, comme vous voyez, il n'y a rien. Une autre protection, j'ai de l'eau, il y a quand même pas mal de protection. Et puis comme je vous ai montré, là, je vais remonter en haut. Attends, on va remonter en haut. Ouais, voilà, en haut ici. Comme vous voyez, on est quand même assez haut, c'est de la bedrock jusqu'en haut. Mais on n'a pas fini, comme je vais vous montrer. En fait, on va continuer à monter. C'est juste qu'on n'a plus d'obsidienne. Donc, si vous voulez faire des donations d'obsidienne, allez, comme vous voyez, regardez, je veux continuer à monter à la hauteur la plus haute. Le problème ici, c'est qu'on n'a plus d'obsidienne. Donc, ça va être de l'obsidienne. Les deux trucs que vous voyez ici, ça va être de l'obsidienne. Mais comme j'ai plus d'obsidienne, ça va être chaud. Mais il y aura 3 couches d'obsidienne. Puis après, de l'autre côté, il y a 2 autres couches de sable, eau et tout. Bref, tout tralala. Donc, voilà. C'est la présentation un peu vite fait de ma base ainsi que les 5 skill clés qu'on a ouvert. Je vais vous retrouver, j'ai l'espoir, pour une autre séquence un peu plus tard. Je vais continuer à améliorer la base et je vous dis à tout de suite. Yo, what the fuck? Il y a Noah, il m'a dit, ouais, t'es pétoi, écoute, j'ai un don et tout. Le game donne une skill pickaxe, des bottes, des trucs comme ça. What the fuck? Noah, what the fuck? T'es sûr? T'es sûr que tu veux me donner? Ça, c'est sa base, je crois.
On va regarder dans ses coffres, vite fait. Oh 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 oh! Il y a des potions. Oh oh! Des potions. Oh oh! Et oh! Franchement, bien joué à toi, moi. Oui, je suis sûr. Merci infiniment. Infiniment. Je sais pas comment l'écrire. Damn, les boys! Bon. On continue à progresser. Comme vous allez voir, j'ai crafté le ventilateur et les vitres renforcées. J'essaie de vendre ma battle axe aussi. Parce que je vais pas l'utiliser. Donc j'essaie de la vendre pour 30 000, mais je pense pas que personne va l'acheter. Personne n'a vraiment 30 000 sur le serveur. Sinon, il y a un space ici à 16 000. Je crois que je vais prendre le space à 16 000. Ouais, je vais acheter le space à 16 000. Je vais aller à mon home. In. Merci infiniment, Noah. Je vais aller à mon home. Je vais crafter le truc qu'il me faut. C'était ça. Mais je sais pas exactement. Attendez, on va regarder le wiki. C'était la base maintenant. Ok, donc c'était ça, j'ai lisé. Ça prend juste du fer et une grille en métal. Nice. Donc on va aller vite fait faire ça. Ou voir plutôt qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, du fer, j'en ai. Parfait. Ça va juste me prendre des grilles. Je vais aller voir dans les coffres plus bas si on en a des grilles. Sinon, je vais en crafter. C'est pas très cher. Je crois que c'est 6 fer, un truc dans le genre. C'est pas la fin du monde, quoi. Non, on en a pas. Fait qu'on va le crafter, les amis. Ça sera pas très long. Donc, on va crafter des barrières. Et ensuite, c'est. J'essaie de me souvenir, là. C'est quoi déjà? Ok, c'est quoi le craft? J'ai déjà oublié, tu sais. Ok, donc c'est ça avec une barrière. Ok. Donc. Parfait, on a tout ce qu'il faut. Slash craft. On va mettre la barrière ici. Le truc ici. Le space au milieu. La mété. Et on a la base. Donc, il nous manque juste le cœur. C'est plutôt cool. Mais en même temps, c'est plutôt triste. Parce que, en soi, pour crafter le cœur maintenant, ça nous prend, si je me trompe pas, le cœur. Ouais, et ça nous prend le générateur de points. Et ça nous prend 4 mété et 5 space. Donc ça va nous prendre quand même beaucoup. Donc je vais essayer de faire des échanges. Je vais essayer de trouver une solution, les gars. Mais bon, faut vraiment que je trouve une solution, quoi. A tout de suite. Attends, non, tu rigoles, tu n'as tout ça, là? C'est combien de pièces, ça? 3, 6, 9. 12 pièces, 2 skill bags. Il aime pas ma cobble. Il est sérieux, gros? Il enlève ma cobble comme ça, là? 12 pièces de spawner, 2 skill bags. Oh, merci, gros. Attends, vous êtes prêts? On va les ouvrir. T'es prêt? 2 potions de réparation et de la petite obsidienne. Malheureusement, ça va pas porter chance, frérot, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Hein? Ah, merci, jeune homme. C'est très aimable. Oh, des pépites de mété. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god, les amis, je suis en train de. Oh my god. Je me sens comme une prostituée qui se fait lancer des billets, tu vois, genre. Oh là 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 là. Merci beaucoup, le Tipeee de Max Skies. C'est genre un youtubeur, ça?